Précédemment, dans Comment devenir maître du monde. Vous êtes en mon pouvoir! Je vous l'ai dit! Les barreaux sont branchés sur le 220! Vous ne pouvez pas vous échapper! Vous l'ignorez peut-être, mais il y a une douille dans le cottage. Demain, comme chaque année depuis que je l'ai décidé, se tiennent les Jeux de la Bouffe, un événement incontournable pour le peuple des égouts. Vous y serez sacrifiés afin que chacun soit témoin de la force et de la puissance d'Aristide Cabillo. La machine va attraper ! Cours, Jack, cours ! Ne tente pas de me délivrer ! On dirait qu'ils ne m'ont pas vu. Oui, ils passent devant moi, devant ma cachette, l'un derrière l'autre. Peut-être ma chance. Si j'arrive à sauter sur le dernier, je pourrais peut-être en prendre le contrôle. Attention, 1, 2 et 3. Je tiens sa tête. Tu vas voir qui c'est, le maître du monde. Non mais, ton rêve ne bouge plus. C'est qui, le patron. Et voilà. Je te lâcherai plus. En route vers la caisse. L'heure de la fermeture approche, il faut que chose n'est pas rien, Lisette. Et vous allez où comme ça, honorable daron? Bah, je sais pas trop, à vrai dire. Je cherche mon fils, en fait. Votre fils? Mais vous l'avez perdu où? Je l'avais envoyé faire une course. Je crois bien qu'il s'est perdu tout seul, ce dégourdi. Vous voulez dire qu'on est arrivé? C'est vrai? Oui, on est arrivé. Là ou ailleurs, c'est pareil de toute façon. Il a raison, vous savez. Comment ça, c'est pareil? Bah, ici ou ailleurs, on est à l'abri de nulle part. Ça va les filles, c'est bon? Oui, propre, c'est bon les deux. Mais qu'est-ce que c'est exactement ces petites galettes là que vous nous avez préparées? Ah, c'est juste une recette de chez moi. De l'eau, de la farine, pétrie ensemble et coupée en rondelles. J'emporte toujours de quoi en faire en voyage. C'est très fin, ça se mange sans faim. Ça sent bon. J'arrive à temps, on dirait. C'est qui celui-là? Non, vous inquiétez pas, c'est mon gamin. Il vient souvent quand on mange, je sais pas pourquoi. Non, c'est pas que j'ai faim, mais ça fait quand même 40 jours que je suis dans ce désert et il faut bien dire que les tentations sont rares. Eh ben, asseyez-vous donc avec nous, jeune homme. Vous voyez, il en reste. Mais ceci est mon corps, on dirait. Laisse tomber, garçon. Ne vous inquiétez pas, vieux crabe, on va pas rester. Faut qu'on rentre. Vous êtes sûr? Non, parce que moi, ce serait pas drôle. Oui, oui, je suis sûr. On est déjà en retard. Hein, Jésus? En plus, c'est le week-end de l'Ascension, on va y avoir du monde sur la route. Allons-y, Jésus. Je sais pas pourquoi, j'en étais sûr. C'est toujours la même chose, alors. Attention au départ, ignition sequence started. 3, 2, 1. Bon, ben ils sont partis. Je savais pas qu'on pouvait se téléporter comme ça sans outils. Ouais, ils doivent avoir le modèle portable. C'est un prototype. Bon alors les filles, je vous raconte la suite. L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en 10 leçons. Ou pas. Une série webophonique de Walter Proof. Avec Blast, Abby Le Fanu, Mademoiselle Obi, Phil Good, Gilline, Ran Madsen, Eve, Kenton et Walter Proof. Livre 3, La douille dans le cottage. Leçon 10. Le maître du monde, tu seras ou pas. Et alors moi je lui dis, écoute Marcel, tu pourrais au moins faire quelque chose dans cette tôle, hein. Parce que moi je commence à en avoir marre de m'appuyer tout le travail à ménager. Mm-hmm. Toi t'en rames pas une, alors tu pourrais au moins faire quelque chose au lieu de passer ton temps à chômer quand t'es pas au bistrot. Mm-hmm. Et qu'en plus, moi je bosse tout le temps, toute la journée en plus. Et tu sais qu'est-ce qui me répond? Non. Il me répond, c'est combien les serviettes périodiques par paquet de 12? Ah bon, oui, très bon ça. Mais non, il me répond pas ça. Quelle est bourde celle-là. C'est moi qui te le demande. C'est combien les serviettes périodiques par paquet de 12? Ouais, attends, je regarde sur la liste. C'est 14,50. 14,50. Et alors, tu sais ce qu'il me répond? Bah non. Bah tu devineras jamais. Mmh. C'est pas mauvais bourde. Oui. Allons bon, bah me revoilà attaché moi. Eh, faudrait pas que ça devienne une habitude, hein.
ligoté comme un saucisson. Et bref, ben, sur quoi? Un tapis roulant? Eh, mais je suis pas un bagage, moi! Et c'est pas non plus un aéroport, ici? Ah oui, je me souviens maintenant. Cette horrible mise en scène de supermarché. Ils m'ont capturé et Nepo aussi, sur l'autre tapis! Mais il semble toujours inconscient. Je me demande ce qui va nous arriver quand ça va être notre tour à la caisse. Rien de bon, j'en ai bien peur. Ah si, c'est donc la fin. Adieu la vie, adieu le soleil, les oiseaux et tout le bordel. Adieu la boue, adieu les rognons de veau persillés, la choucroute à la vanille, les petites robes de chez Swan, le caviar à la pelle, comme s'il en pleuvait au bord de la piscine de Chef Wichef, qui nous a bien laissé tomber, ce salopard. Enfin, qu'est-ce que tu dis? C'est comme ça la vie. Et qu'est-ce qu'il dit alors? Eh ben, tu me croiras comme tu voudras, mais il nous dit... Et les artichauts, c'est combien? Non, il te répond vraiment ça. Mais non, c'est moi qui te demande. C'est combien les artichauts? En botte ou en blister? En botte. Attends, je regarde sur la liste. 14,50. 14,50. Alors, tu sais ce qu'il me répond? Ah, mais qu'est-ce que... Client suivant? Ah, misère à poil. Ma dernière heure est venue. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des souliers barbignés, n'oublie pas mes petits colliers. Notre mère qui est en haut lieu, que votre guenon soit humé fiel. À la claire vitesse, en allant barboter. Alizette, les ponts! Que des ponts! J'arrive! Alizette, les ponts, ça va? Tu sais ce qu'il faut, des ponts. Dieu soit loué, John! Oui, mais pas trop cher. Attends, je tranche tes liens. Voilà. Je prends des pots sur mon dos. Allez, on y va. Vite! Il faut filer! Faut filer! Mais je suis vegan, moi, John! Mais dépêche-toi! Tu vois bien que tout va sauter! Tout? Mais comment tout? Oui, tout! Le supermarché, les égouts, la planète! Et c'est ainsi, petits enfants du Nouveau Monde, que prit fin l'Ancien. La réaction en chaîne, induite par l'énergie trouble, a provoqué l'implosion de la planète mère. Et les bipèdes alors? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Disparus, évaporés, pulvérisés. La folie des hommes les a conduits à leur perte. Mais alors, ils sont jamais devenus maîtres du monde alors? Jamais. Mais il y a un truc que je comprends pas, vénérable vieux crabe. Allons bon, un seul, tu m'étonnes. Si les humains sont nos ancêtres, et si leur planète a été détruite, comment on est là, nous? Bah oui, comment c'est possible, vieux vermicelle? On dirait que vous avez raté quelques cours, toutes les deux. Non, mais pas du tout. Peut-être qu'on était malades, mais c'est tout. Et le grand débarras, ça vous dit quelque chose? Le grand... Chapitre 27 du manuel sacré de 12e année. Vous y êtes bien passé en 12e année. Ah oui, mais ça, c'était il y a longtemps. On le révisera un jour, si on a le temps. Mais dites-moi, le crabe, le machin là, le truc digital avec les doigts. Oui, qu'est-ce qu'il est devenu, le machin avec les doigts? Le réplicateur? Ah, ça, c'est une bonne question. En fait, personne ne sait ce qu'il est devenu. Bon, eh ben, je crois qu'il est temps de mettre la ferraille au garage, hein, comme on dit. Et mes piles à recharger. Veillez pas trop tard, les filles, hein. On a du taf demain. Eh bien, moi, je sais ce qu'on va faire. Ah bon? Oui. Tu sais quoi? Non. Eh ben, le répliqueur digital... Avec les doigts? Oui. Eh ben, je le retrouverai. Et alors, on verra bien qui c'est le maître du monde. Foie de pamplemousse en pyjama! C'était « Comment devenir maître du monde en 10 leçons ?» Ou pas. Une série webophonique de Walter Proof,
propre et librement adapté de Cridjoie dans la Masure. Écrit et réalisé par Walter Proof sur une musique de Phaéton Bougre. Avec Dieu, Place, Bibi, Abby Le Fanny, Chacha, Mademoiselle Obi, Vieux Crabe, Walter Proof, Jésus, Feelgood, Les Caissières, Gilles, Irène Madsen, Anne Zettmantello, Elle, John, Kenton,